l'orgue est né de l'humble flûte de Pan des bergers de l'Antiquité. C'est à Andrie, au 1er siècle avant notre ère, que le grec Ctésibios eut l'idée de remplacer le roseau par le métal et la lèvre humaine par une soufflerie hydraulique. Le premier orgue connu en France fut offert à Pépin le Bref, au 8e siècle, par l'empereur d'Orient Constantin Copronyme. Il charma les banquets de Charlemagne, aussi fut-il déclaré trop profane pour le saint lieu, lorsque l'empereur eut l'idée d'en faire don à une église. Le Moyen-Âge créa le portatif, petit orgue qui se portait pendu à une courroie passant sur l'épaule. Le musicien jouait d'une main et actionnait de l'autre un léger soufflet. Des perfectionnements successifs alourdirent finalement l'instrument, au point qu'il perdit en partie sa mobilité. On le posa alors sur un meuble, d'où le nouveau nom de positif. En somme, ces positifs furent les ancêtres, à la fois des grandes orgues de nos églises qui en sortirent par voie de développement, et de nos modernes orgues de salon. Un des types les plus achevés que nous aient légués les siècles passés est ce délicieux orgue, dit du Dauphin, qui figura au Trianon de Marie-Antoinette. Posés d'abord sur une tribune ou sur un jubé, les positifs d'église furent plus tard incorporés intégralement aux grandes orgues où ils subsistent encore aujourd'hui. Nous sommes ici le plus grand orgue de France, celui de Saint-Sulpice à Paris, construit au XVIIe siècle, refait et agrandi au XIXe par le célèbre organier français Aristide Cavaillé-Coll. Comme toutes les orgues, il tire son effet décoratif le plus typique des harmonieux tuyaux apparents, appelés tuyaux de montre, qui constituent quelques-unes des basses dont dispose le clavier. Derrière cette façade, ou buffet, décoré de motifs en bois sculpté dans la manière du grand siècle, l'orgue de Saint-Sulpice compte près de 7000 tuyaux de toute taille et de toute sonorité, répartis sur 5 étages. C'est un monde dans lequel il est difficile de se reconnaître sans guide. L'harmonisation d'un tuyau d'orgue est une opération longue et complexe. Elle commence par une mise à longueur en fonction de la note désirée. L'accordeur doit savoir discerner à l'oreille, sur cette table d'essai appelée mannequin, la cause de toutes les défectuosités du son. L'harmonisateur s'aperçoit que la lumière par où doit passer le vent est trop étroite. Quelques coups de lime portés en dents de scie achèveront de donner à l'air un passage normal. On peut maintenant commencer à comparer la note du tuyau avec celle d'un jeu étalon appelé prestant. Les positions respectives des deux lèvres sont liées par de légères pressions ou par des dilatations successives jusqu'à ce que l'angle d'attaque de l'air sur la lèvre supérieure soit parfait. En roulant ou en déroulant cette languette, on fait varier artificiellement la longueur du tuyau, l'onde s'arrêtant net à la hauteur de l'entaille pratiquée dans le tube. On peut ainsi facilement trouver le point de réglage exact du tuyau. Les tuyaux d'orgue sont infiniment variés. Voici le piccolo, long d'un centimètre. Et voilà la bombarde de 32 pieds, 10 mètres. À côté des tuyaux d'étain, existent des tuyaux de bois, basés sur le même principe et comportant la même disposition générale. Pied, lumière, lèvre.
Les uns sont alimentés par des manches à air en bois, les autres par des tubes de plomb. Arrive à se déformer sous l'action du temps. Remarquez l'opposition entre l'extrême minceur de cette fente appelée lumière et les dimensions de cette énorme lèvre de bois. On est parfois obligé de coucher les tuyaux de bois à cause de leur encombrement. Ils peuvent atteindre en effet des dimensions et surtout un diamètre considérable. Telle cette grosse flûte de 10 mètres de haut, le géant de l'espèce. Retournons maintenant aux 7000 tuyaux de l'orgue de Saint-Sulpice et voyons donne la vie à cette forêt sonore. Naissait autrefois d'une soufflerie mue par des hommes. Aujourd'hui, cette turbine électrique peut débiter sans effort une centaine de mètres cubes d'air par minute. Le vent régularise d'abord sa pression dans de vastes soufflets de peau. De là, il gagne les tuyaux par des conduits de bois ou porte-vent. Après les poumons, voici le cerveau de l'orgue, la console, ses claviers à main et son pédalier ou clavier de pied. Chaque touche, par l'intermédiaire d'une tringlerie, commande l'ouverture ou la fermeture d'une soupape logée dans un des sommiers ou distributeur d'air placé en dessous des tuyaux. C'est à ces sommiers qu'aboutissent, d'autre part, les porte-vents que nous avons vus tout à l'heure. Sommiers ouverts, montrant le jeu des papes et leurs commandes. Chaque soupape, à l'appel de la touche correspondante, donne le vent à un certain nombre de tuyaux donnant la même note mais dans des tons ou dans des teintes différents. Ces tuyaux devraient donc parler tous ensemble dès l'ouverture de la soupape. En fait, l'organiste peut sélectionner ses timbres en isolant ceux des tuyaux qui ne lui conviennent pas, grâce à un organe complémentaire, le sorte de glissière se déplaçant entre deux plaquettes fixes. Quand les trous dont sont percés glissières et plaquettes sont dans le même alignement, l'air est admis dans le tuyau. En cas contraire, il est refusé. La soupape commande donc la note et les registres le timbre. Les registres sont tirés ou renvoyés par des relais mécaniques ou pneumatiques commandés par ces boutons placés à la console sous la main de l'organiste. D'orgue sont classés par jeu ou ensembles harmoniques caractérisés par des sonorités différentes dont vous voyez ici quelques spécimens.
Il y a une centaine de jeux dans un orgue comme celui-ci. C'est une gamme exécutée avec un seul jeu. Écoutez l'enrichissement progressif du son par la mise en action de tous les autres jeux. Certains de ces jeux, ou jeux de soutien, sont commandés par des pédales spéciales qui peuvent les maintenir en action pendant le temps voulu. La boîte expressive, qui enveloppe certains jeux, est un organe analogue à la pédale du piano. En effet, par le jeu de ses volets, l'organiste libère ou étouffe à volonté le son. Après la technique de l'orgue, voici maintenant quelques-uns de ses plus beaux visages. Le buffet de la cathédrale de Perpignan, 1504. Celui de la Ferté-Bernard, 1536. Saint-Maclou de Rouen, 1542. Cathédrale de Chartres, 1550. L'orgue du Prytanée militaire de la Flèche, 1630. Le petit orgue doré de l'Île-sur-Sorgue, 1648. L'orgue du Zay, 1655. Un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, l'orgue du Puy. Celui d'Albi, datant de 1736. L'orgue créé pour la chapelle du Roi Soleil, à Versailles. Et enfin, l'orgue du palais de Chaillot, merveille dans laquelle se combinent harmonieusement la technique traditionnelle des faiseurs d'orgue et celle de la mécanique la plus moderne. Entièrement équipé de commandes électriques et non plus de tringles et de leviers, il est cuirassé de plaques d'émail d'or. Formidable masse de 70 tonnes se déplace sur la scène à la vitesse de 4 mètres par minute. Encore à Saint-Sulpice qu'il nous faut revenir pour entendre un des maîtres du clavier français, Marcel Dupré, qui va interpréter l'immortelle toccata de Bach.